Salut à tous, alors ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo sur The Crew 2 parce que j'étais limité à la NDA qui voulait pas que je révèle des choses sur YouTube, mais vu que Ubisoft a levé cette règle sur la carlist, et ben je vais vous la révéler si jamais vous avez pas vu d'autres vidéos sur YouTube et tout ça, et vous apporter quelque chose d'autre. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous réserve vraiment une surprise et ça va vraiment vous plaire. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est vraiment important. Et voici la carlist de The Crew 2, je l'attendais énormément de pouvoir la publier pour en parler avec vous et surtout avoir un petit débat en commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter quelle est la voiture qui vous a plus surpris dans cette carlist. Donc là il y a eu des nouveaux véhicules comme vous avez pu voir avec la Porsche 918, la Veneno et puis plein d'autres qu'on verra juste après. Mais voilà, pour vous dire tout simplement, il y a eu plus de véhicules grâce à la baisse des dégâts. Ça c'est très important à savoir parce que c'est la même chose que pour Forza Motorsport. Il n'y a pas énormément de dégâts à la Spin Tire ou à la Next Car Game, vous voyez comment c'est, ou BMG, hein, c'est pas des dégâts de ouf et tout ça, et du coup bah les dégâts ça n'attire pas les constructeurs, et là ils ont fait le contraire, ils ont mis moins de dégâts pour attirer plus de constructeurs et pouvoir mettre plus de véhicules et surtout des véhicules que les personnes demandent, mais j'espère qu'il y en aura dans les DLC des bons véhicules, d'autres véhicules que les joueurs ont demandé. Tout ce que vous voyez là en ce moment sur YouTube, il y a 80% des choses qui ont été révélées et 20% sont toujours sur NDA. Donc moi je vais pas vous le dire bien sûr parce que c'est toujours un truc que j'ai signé, hein. Donc tous les trucs qui ont été révélés, bah, ils ont été révélés avec l'autorisation d'Ubisoft bien sûr. Et cette carlist a été publiée dans plein de trucs et tout ça. Je vais reprendre juste à peu après, donc je vous laisse apprécier cette carlist.
s'approche bientôt de la fin de cette liste et j'en profite tout simplement pour vous dire que la bêta a lieu le 31 jusqu'au 4 juin 2018, donc c'est la bêta fermée. Et qui dit fermée dit clé, donc tout simplement je vous fais gagner des clés bêta pour The Crew 2, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez participer. Donc il y en aura 2 ou 3 en avant-première. Donc voilà, c'est vraiment un truc de fou. C'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter quelle a été votre voiture préférée, qu'est-ce que vous attendez encore dans The Crew 2 pour les prochains DLC. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous.